C'est une avancée majeure dans la revendication des commerçants récemment révoltés pour le départ de leur équipe du bureau de la Chambre de commerce, de l'industrie et d'artisanat de Madiana. Ces hommes d'affaires ont été réunis et écoutés ce dimanche par une mission de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. En sa tête, M. Abdoulaye Kaba, le président régional de la dite Chambre. Présents à cette réunion, les commerçants sont intraitables sur la possible conduite de l'ancien bureau qui acquise des actions opaques depuis plus d'une dizaine d'années. Moi, je suis le porte-parole de tous les commerçants. La délégation là est venue. Vraiment, ça a été une bonne chose. Il nous a écoutés, il a pris nos voix même. Il a envoyé à Madame la ministre et à qui de droit. Mais les commerçants ont répété devant lui, devant la mission, qu'ils n'aiment pas l'ancien bureau. Surtout les trois premiers responsables. Parce que quand tu prends les trois premiers responsables, et ils sont au niveau de la chambre de commerce, au niveau du marché, l'administrateur du marché, au niveau du bureau des Européens. Donc on ne les aime pas, ils doivent quitter. Et nous demandons encore à tous les commerçants de payer les impôts. Mais ça aussi, s'ils payent ou ils s'associent avec l'ancien bureau pour réclamer, on ne va pas payer les impôts. Qu'il pleuve ou neige, les commerçants de Madiana ne veulent plus les anciens bureaux de Madiana, du chambre de Madiana. Donc la mission, après l'entretien, la mission a pris bonne note. Quand elle va se retourner, elle va rendre le droit acquis, elle va rendre franchement le compte acquis de droit. Pour le régional de cette structure, promet de rendre compte acquis de droit et invite les commerçants à payer les impositions de l'État. Les commerçants de Madiana, j'ai les revendications arrivées là-bas. On va essayer de parler avec Madame la ministre, Inch'Allah. On va trouver une solution. Et ceux qui disent de ne pas payer l'impôt, l'impôt, c'est pour toute la Guinée. Je les ai dit, ça c'est hors sujet. Donc ils n'ont qu'à payer les impôts. Ces commerçants qui avaient menacé de ne plus payer les impositions de l'État s'ils ne passent pas par leur nouveau bureau qu'ils jugent légitime, comptent désormais donner un bref temps à la négociation. On avait dit qu'on ne paye pas l'impôt, mais cette fois-ci, on va commencer à payer l'impôt. Mais s'il passe avec l'ancien bureau, quand on va avec l'ancien bureau, on ne va pas payer. On ne va pas payer. Dans la mission, nous allons observer un petit temps. Si toutefois, ce qu'on a dit, comme l'évaluation n'est pas traitée à 100%, et vraiment, nous allons commencer encore notre lutte. De Madiana, Mamadi Konoma Keita pour GuinéeMatin.com.